salut tout le monde, c'est TR78, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une vidéo un petit peu spéciale pour vous faire une petite annonce. Et voici mon notation de la Nintendo Switch. Parce que je me suis fait plaisir et j'avais envie de jouer à certains jeux. Donc voici les jeux auxquels je joue en ce moment même. Donc Mario Odyssey que j'ai récemment, Mario Kart 8 Deluxe et Splatoon 2. Donc la Switch que je me suis acheté en février, pourquoi j'ai pas fait de vidéo avant, puisque j'avais envie de découvrir un peu la console, de jouer aux jeux qu'ils proposent. Donc voilà, oui voilà, je vous ai pas aussi présenté les petites manettes que j'ai, donc la petite Switch Controller Pro, franchement très très bonne manette, très confortable, franchement la prise en main, elle est impeccable. Ensuite une petite manette sans fil, ça c'est pour quand ma manette a plus de batterie, qui est assez sympathique, mais bon après, à faire attention à ce bouton là, puisque ça peut vite flinguer les parties. Donc maintenant que je vous ai présenté un petit peu tout ça, je vais vous montrer un peu le vif du sujet. Donc voici la petite console avec ses petits Joy-Con gris. Donc oui, j'ai déjà allumé, donc voilà. Voilà ici là déjà ma télé avec les jeux que je joue, les versions démo et tout le reste. Bien sûr, je pourrais vous faire présenter un petit peu les vidéos de ma Switch grâce à mon petit AverMedia GameCapture HD2. Que j'utilise aussi pour filmer en dessous ma Wii U qui est là avec son petit avec le j'y arrive plus, voilà, avec le gamepad, voilà, je vous le montre bien comme il faut. Ensuite ça je vous ai présenté, il y a aussi ce petit casque que j'utilise pour mon AverMedia pour faire les live commentaires, puisque j'ai cette prise ici là pour faire les commentaires, pour avoir m'isoler les musiques du jeu, et pour le micro, ainsi que la petite prise USB pour mon disque dur. Ah voilà, que voici. Donc après je vais vous présenter aussi ce petit truc là. Sachez que ce petit truc là est le boîtier, je vais vous mettre en description de la vidéo si vous êtes intéressé pour l'acheter. Alors il s'agit d'un petit splitter, un petit switch HDMI. Pourquoi j'ai acheté ça? Bah, tout simplement parce que pour filmer la Wii U et la Switch avec le même appareil. Un truc qui est assez pratique pour passer d'une console à l'autre. Donc je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Salut! Donc voilà, le petit bouton pour aller à la Switch. Et le petit bouton pour passer à la Wii U. Voilà. Je vais vous présenter aussi, là, il y a aussi mon PC qui est allumé. Donc là, mon petit PC avec je fais tous mes montages. Certaines de mes textures, mes musiques aussi pour mes kawaii. Enfin pas tout puisque j'ai un autre PC qui est un petit peu rangé par-ci par-là. Et concernant la Wii U, en fait je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble un petit peu grâce au petit switch HDMI. C'est pour un petit plaisir à moi, donc je préfère vous le dire à l'avance. Franchement, déjà je vous dis, l'interface de la Switch est plutôt sympa, ça va directement à l'essentiel. Alors, franchement c'est pas mal. Donc maintenant je vous ai allumé spécialement la Wii U pour vous montrer un petit peu l'étendue de mon petit boîtier. Hop, est-ce que ça marche déjà? Non, moi j'ai allumé. Voilà la Switch à la Wii U, tout simplement. Voilà. Maintenant je vais couper la Wii U, que ça ne sert pas. Ensuite je vous avais aussi montré d'autres trucs, je vais vous montrer spécialement. Donc je vais commencer par mes petits jeux de Wii U avec la petite Wii U Controller Pro. Franchement c'est l'une des meilleures manettes que Nintendo ait créé comparé à la Wii Controller Pro qui est juste là. Je vais vous déballer un petit peu tout ça, je vais déballer cette manette là rapidement. Voilà, regardez bien la différence, et franchement cette manette là pour les jeux de Wii U c'est le bonheur. Avec mes petits jeux de Wii U, donc ils montrent les prises. Certains jeux, je ferai bien sûr des vidéos là-dessus. Et Mario Kart 8, je n'ai pas de jaquette puisque j'ai le jeu qui est déjà dedans. Donc voilà. Et je vous montre aussi certains jeux de Wii. Enfin, je ne vais pas tout montrer, j'en ai un petit paquet. Donc les essentiels jeux auxquels je joue en ce moment même. Donc le Wii, le Mario Football, j'essaierai de faire un petit tuto online pour celui-là, puisqu'on peut aussi jouer avec le Wimpy. Et les deux Let's Play que je suis en cours. Bien sûr, avec la petite Wii Controller Pro.
et mes petits Wiimote, mais une chose que je n'ai pas sorti, j'en avais pas envie. Donc voilà. Maintenant, on va passer à l'essentiel, donc il s'agit de la Switch. Écoutez, on va passer directement dans l'interface de la Switch grâce à la Media. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voici cette fois-ci sur l'interface de la Switch. Donc pour les plus curieux, je vais vous montrer voilà mon petit profil avec mon code ami Switch. Donc je vous laisse regarder au moins 10 secondes pour 10-15 secondes pour bien vous le notiez. De toute façon, je le mettrai en description de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, mes jeux que j'utilise, le 8 de Deluxe, 8 de 10 et Splatoon 2. Voilà, ma liste d'amis. Je vais pas trop m'étendre là-dessus. Donc voilà, maintenant on va passer. Attendez, on va changer de jeu rapidement. Odyssey, c'est pas celui que je vais vous montrer. Je ferai un petit let's play dessus, mais pas tout de suite. Donc oui, je suis en train d'y jouer puisque j'avais envie de jouer à ce jeu. J'ai envie de jouer au jeu en fait. Tout simplement. Déjà, je vais essayer de ranger le jeu dans la jaquette. Voilà. Du coup, maintenant, voilà, on va mettre ce jeu là. Rentre s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, donc ça m'a mis MK8 Deluxe. Et on y va tout de suite. Tout simplement. Donc, bien sûr, je joue, comme vous avez vu, je joue avec ma Switch Controller Pro. Donc voilà, Mario Kart 8 Deluxe, si je pourrais vous dire tout ce qu'il y a de différent comparé au 8 de la Wii U, c'est que pour les courses ça a été un petit peu retravaillé. Ah merde, je vais pas faire ça, merde. Bon, ça je vais revenir vite, voilà. Il y a eu les courses, après le plus gros truc intéressant du jeu, c'est les batailles. Franchement, il y a beaucoup de fun dans ce jeu, tout simplement. Donc les petits amiibo, ouais. Bref, revenons. Donc je monte un petit peu rapidement le temps du jeu. Donc les Grand Prix que j'avais entièrement fait, surtout le sens qui est impossible, qui était vraiment difficile. Tous les personnages donc débloqués et tout. Ah merde, je vais pas faire ça. Bah voilà. Les courses. Enfin si, je vais vous montrer un petit peu l'étendue. Voilà, avec toutes les coupes que bien sûr j'ai toutes fait. Tout débloqué. Maintenant que je suis pas sinon dans le mode online. Je vais montrer aussi les batailles aussi, comme c'est franchement le plus gros truc du jeu. Attends, je garde ce petit combo que je fais rapidement histoire de vous montrer. Les batailles de ballons, le travail sur la piste, les bombes à gogo, les batailles de pièces et la capture de soleil. Donc il n'y a pas beaucoup d'arènes. Et c'est un truc que je reproche un peu à Nintendo, ils auraient pu avoir plus. Au moins qui est de l'arène venant de tous les Mario Kart. La petite arène de Splatoon et voilà ma petite préférée, les colonies lunaires. Voilà voilà. Maintenant on va aller en online et je vais vous faire quelques courses tiens pour histoire de. Donc on va aller en ligne, juste comme ça. Ah bah voilà, pas besoin de me connecter. Ça va nickel, alors voilà, j'ai des gens qui sont. Voilà, qui font une salle fun. Oui, mais je vais pas rejoindre tout de suite. Écoutez, on va partir en mondial. Oui, j'ai pas beaucoup de points. Alors sachez les batailles, j'ai une deux sessions que j'avais déjà filmées pour voir si. Que j'avais filmé il y a à peu près deux mois, de février. Je vais vous faire cette vidéo. Il y aura une vidéo d'une bataille mondiale que j'ai fait avec des amis qui était où j'ai pris vraiment un plaisir à jouer au jeu. Ça arrivera plus tard, mais pas tout de suite. Donc là, on va faire un peu de course en mondial. Je garde Waluigi. Non, on va faire autre chose de spécial. Je joue avec mon Mii, voilà celui-là. On va jouer avec l'amiibo Bowser. Et puis voilà, je vais garder ça. Allez hop, c'est parti! Bon bah décidément, le jeu me trouve toujours pas de mon 10, c'est assez inquiétant. Ah voilà, donc nous y sommes, je vais voter quoi moi?
commencer cette session. En fait, je vais mettre... Oh tiens, je vais mettre Circuit aussi, tiens. On attend que tous les autres votent. Ah bah voilà, c'est parti pour Circuit Yoshi et Piste Musicale. Des votes random. Puis bah, je crois qu'il y a tout. 1, 2, 3, 4, 11. Bah il manque un vote. Il manque deux votes maintenant. Encore en piste musicale. Ah c'est bon. Aéroport Azur en miroir. Ah là, ça c'est un truc qui est mieux bossé que sur la Wii U. Ils te mettent deux cylindriques et voilà, ils te remettent le nom de la map. Bien sûr, ils ont adapté mon niveau par rapport à mes points au niveau des autres. Donc voilà, mon petit menu avec le petit Amiibo Bowser. La tenue est très sympa. Bien sûr, j'ai encore un autre Amiibo, j'ai l'Amiibo Luigi aussi. Voilà, on va faire quelques courses pour conclure bien cette vidéo. Alors, Mario Kart 8 Deluxe, donc il y aura quoi? Il y aura des vidéos de mondial, des vidéos de bataille aussi. Bien sûr, je jouerai avec des amis pour que ce soit plus fun. Et puis il y aura aussi des salles fun après, qui sont organisées. Puis voilà, j'ai un ami qui... Il y a une personne que j'ai rajoutée récemment dans ma liste d'amis, donc Kenshiro, donc c'est un mec qui stream sur YouTube, donc bien sûr, je ferai peut-être aussi quelques vidéos avec lui, de ses sessions, puisque des fois c'est simple, c'est un mec qui est sympathique. Donc le double item, il y a le double item aussi, qu'est-ce que j'ai... Ah, j'ai une pièce. Bref, je vais rester premier tranquillou. Oula! Là, c'est pas cool, là j'ai... Et en fait, là, j'aurais pas dû spammer ma pièce, puisqu'ils ont remis le retour du bout. Et c'est le bout, c'est l'item le plus horrible du jeu. Parce que ça m'est déjà arrivé dans un monde dit d'avoir... J'étais au dernier système à avoir 3 champis. Et bien sûr, le bout me vole mes champis, je me suis retrouvé dernier. Et du coup, bah, la course était morte pour moi. Et merde. Ah putain. Ah, vas-y, j'étais protégé, Nintendo. Ah, les vilains, les vilains, les vilains. Alors, il y a Splatoon 2 aussi. Bah, il y aura des vidéos de session online. Avec ou sans amis, je sais pas. Et bien sûr, il y aura le Ultimate Mode Online que je ferai. Bon, enfin, dès que j'aurai terminé le suivi du Splatoon de la Wii U. Mais ça fait un petit. Il faudrait que aussi je me relance à faire un épisode dessus. Mais je pense que je ferai peut-être un long épisode pour rattraper l'absence sur ce jeu. Mais par contre, là, je vous dis un truc. Jouer à Splatoon sur Wii U après avoir joué à Splatoon 2. Croyez-moi, après c'est difficile de... La reprise est très difficile, parce que les contrôles de jeu sont placés... Ah merde, putain. Les contrôles, voilà. C'est pas les mêmes contrôles de jeu, et puis voilà, ça c'est très... Ah, vas-y, fais chier. Donc ça c'est assez perturbant. Voilà, après il y a eu un nouveau mode qui est sympathique, le Salmon Run. Et voilà, j'ai fait essayer aussi de faire des vidéos commentées, puisque quand j'ai fait des vidéos sur Splatoon 1, c'était pas commenté. Ah bah j'ai le book, qu'est-ce que je vais avoir comme item. Ah vas-y la bombe. Oh putain, n'importe quoi. Ah, je suis une 4ème, ça va. Et voilà, j'ai tout dit sur Splatoon 2. Et pour le Mario Odyssey, bah je ferai un let's play dessus, mais je sais pas quand. D'abord j'ai envie d'y jouer pour ma gueule. Voilà, je sais pas comment vraiment réellement vous le dire. Voilà, j'ai envie d'y jouer pour ma gueule. Tout simplement. Bien. Oh, y a que des maps que j'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas, je n'aime pas. Du coup, ce sera un vote random. Puis voilà, c'est tout. Maintenant, je vais attendre que les autres aient fini de voter. Bon, bah, ça a toujours pas voté. Voilà, là, les votes. Oh là, je crains. Alors, de toute façon, on va faire forcément une de ces 3 maps. Ah là 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 là. Allez, s'il vous plaît, dépêchez-vous de voter, s'il vous plaît. Ah voilà. C'est long, c'est long, c'est long, ça prend 10 secondes de plus que celui de la Wii U. Oh là là, oh, ça va, 150. Bon, voilà, je vais pas trop me plaindre. Voilà,
Voilà, on va être parti. Les légendes vont qui sont partis. Tant mieux. Alors, on est parti. On dérape. Voilà, le super drift, je l'ai eu. Regarde, je me suis dit tout seul. Ah putain, la pièce, ça commence déjà. Arrêtez la pièce, s'il vous plaît, j'ai pas besoin de la pièce. Alors, là, avec une verge, je vais être tranquille. Enfin, pour un petit bouton, je pense. De toute façon, je suis premier, tout va bien. Ça cut pas. Ah si, ça cut. Oh, c'est... ah, sérieux. Allez. Le japonais, je le rattrape. Avec sa pique rose d'or, je sais plus quoi là. Allez. Voilà, la direct pour pitch, très bien. Bon, j'ai raté le truc, c'est pas grave. Encore la pièce. Il y a une passion pour filer les pièces en item. Surtout quand t'en as pas vraiment besoin. Ah là là, fallait pas me dépasser devant. Dommage. Là, je te passe devant tranquillement. Est-ce que je vais finir premier en cette course? C'est possible. En fait, je vais garder la pièce, parce qu'avec le bout, on sait jamais. Comme ça, avec le bout, sera bien emmerdé. Putain, j'ai une bombe carrément. Je vais m'en débarrasser. Ah non, là ça craint. Ah putain, j'ai une bleue, c'est pas... Eh vas-y, le bout, vole-moi ma pièce. Ah vas-y, le jeu me file une pièce en item, mais n'importe quoi. Oh non. Yes. Ah super, je finis premier. Ah je n'y pensais pas en plus. Ah c'est génial. Maintenant faut dire qu'ils terminent leur course, ce serait bien. Ah, voilà, ils ont fini 43 points. Ouf, ça va. Toujours radin pour le gagner des points. Bon, bah voici cette fois-ci, je vous ai coupé puisque je vais commencer à passer à l'essentiel, comme pour Mario Kart 8. Grâce à un vote random, on va se retaper l'aéroport Azur, cette fois-ci en 150, et puisque tout à l'heure c'était en miroir. Alors, de toute façon, l'aéroport Azur, c'est une map que j'aime bien, qui est sympa, il y a plus tout. De toute façon, il y a tout dans un aéroport. Rien à dire. Maintenant, on va attendre que ça commence. Ah, c'est là que ça commence. Reste. Ah vas-y, les gars, je coupe pas. Ah bah je rate l'item, normal. Ah saloperie. Reviens ici toi, reviens ici. Encore la pièce, mais s'il vous plaît, arrêtez cet item de merde. Ah, je crois qu'on... ah vas-y, j'ai fait n'importe quoi. Reviens ici. Ah merde, putain. Allez, dépêche-toi. Ok, je dois avoir un problème en ligne. Ah vas-y, putain. Je dois avoir un petit problème en ligne, puisque normalement, comme je spamme le bouton commentaire et que ça me klaxonne, c'est que le jeu veut pas me foutre un bon item. Ah, du coup, je me retrouve avec un simple champi. Retourne. Ah, on peut parler. J'ai un petit doré, j'attends après le gros delta plane pour le spammer. Le petit shroom. Et je vais attendre le niveau du décollage pour leur sel doré. De toute façon, je suis 7ème. Je peux encore rattraper tout le monde, c'est possible. Voilà. Ça dégage. Ah, saloperie! Allez. Ah, j'ai trois champions. Ah, vas-y, putain! Allez.
Allez! Bon bah déjà je vais pas finir premier puisque le coup est bien parti devant. Allez, putain, mais ça marche pas. Ah, saloperie, non. Ouais, ouais, je me suis terre 5ème. Bon, allez, terminez s'il vous plaît, comme ça on passe directement à la prochaine course. Ah là 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 là, c'est fini. Ah non, toujours pas, putain, voilà, j'ai les 30 secondes maintenant. Ah voilà, tout juste une 5ème. Bon, allez, on va directement passer à la course suivante. Ah, bah la N64 route arc-en-ciel, ça c'est ma course préférée. Ma course préférée. Voilà, on va faire un autre truc en attendant. Sur le passage, là, une nouveauté que j'adhère bien, changer de personnage entre chaque vote, que ce soit pour les courses ou les batailles. Bah, sur quoi j'en profite, comme ça je vais vous montrer le bon petit amiibo Luigi. Du coup, j'espère que ça va tomber sur la N64 route arc-en-ciel, puisque ça c'est une de mes courses que j'adore. Je fais un petit hommage à un ami qui pète un câble direct quand on l'a fait. Salut. Ah putain, c'est assez partagé, mais j'ai peur que ça tombe sur un truc, quelque chose de pourri. Allez. N64 route arc-en-ciel. Non, putain. Ah, oh, c'est pas vrai. Oh non. Coupe à police en 200 cc. Oh non, moi, c'est des salopards. Oh non, ça c'est la pire. Oh non. Oh, ce troll de Nintendo. Ah, je suis maudit. Alors là, je suis dans la grosse merde. C'est parti pour le massacre. Parce que je suis premier, mais bon, faut pas hésiter à déraper avant. Pour s'en sortir de 100 cc sur ce jeu, le truc est simple. Faut pas hésiter à déraper un petit peu plus tôt, à éviter les gros boosts des drifts, et appuyer sur le bouton B pour freiner. C'est ce qui est assez pratique. Comment s'en sortir en 200 cc sur ce jeu pour les grosses maps comme ça. Mais de toute façon, il y a encore pire. Ah putain. Allez, hop, vas-y, il y a une bleue maintenant. Oh, alors là, je suis maudit. Oh, laisse tomber, j'ai pas de klaxon, pas de champi, du coup, boum. Ah putain. Ah merde, vas-y, je fais jouer n'importe comment. Pourquoi faut qu'il me mette cette course là? Pourquoi? Tiens, le premier, tu n'iras nulle part. Oh non, putain, je me suis restoppé par le... Allez, allez, bien sûr, merci pour l'accueil. Allez, en plus, on prend l'item, c'est génial. Ah, putain, oh, je suis mouillé. Ah, ok, ça me gave. Allez. Barbecue. Oh non. Oh merde, mais putain. Cette map aussi en 200 cc, mais c'est pas possible. Oh, j'ai pas d'item en plus. Oh, vas-y, choc. Allez, je vais faire une place de merde, c'est parti. Ah bah j'ai fait 5. Miracle. Grand miracle. Le gros miracle. Voilà, on est parti pour la prochaine course. Merci de votre random pour faire comme ça. On va faire Volcan sur Wii, puisqu'il y avait des maps que je n'aimais pas et ceux que je n'aimais pas du tout. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, je vais essayer de me refaire, puisque le massacre du 200 cc sur Koopa Police, je vais m'en souvenir.
mais bien comme il faut. C'est parti. J'ai fait un départ du coup grave. Y'a pas photo là-dessus. Laisse-moi. Ah, vas-y, bande de saloperie. Ah, il pousse, hein. Il pousse. Il n'hésite pas. Ah, vas-y, merde. Ça me gave. Double item est pour moi. Ça c'est bien, trois chrooms et deux vertes, comme on est par d'une directement. Et voilà, j'évite les plateformes enflammées. Du coup, ah bah, de toute façon, j'ai, voilà, je suis dans les premiers. Ouh là 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 là, la fleur de feu. ils savent pas tirer sur moi. Ah bah, si, en fait, ils savent tirer. Bon, non, je vais essayer de rattraper le premier. Ah bah, en fait, c'est moi le premier. Ah merde, putain. Allez. Non, j'ai l'impression que j'ai toujours une pièce, comme d'hab. Comme d'habitude. Là je suis premier pour l'instant parce que je reste sur mes gardes. Parce que des fois les bondis sur MK8 ça peut être très vite être injouable et aussi voire un petit peu injuste aussi. Voilà, c'est le dernier tour, j'ai un petit peu d'avance. Mais je reste méfiant quand même. Ah putain, tombe pas s'il te plaît. Voilà, merci. J'ai comme item. Oh, deux bananes, voilà, ça c'est très bien. Tu pourras me prendre l'item si tu veux le goût, je m'en fous, j'ai une autre banane. Ah, il n'y a toujours pas de bleu, tout va bien, la première place elle est pour moi. On évite de faire n'importe quoi. Attention, le monstre enflammé, c'est bon. Vas-y, viens, petite rouge, voilà, j'étais protégé. Deuxième rouge, j'étais protégé aussi. Voilà, j'ai fini premier, nickel chrome. Maintenant, je vais attendre que les autres aient terminé. Voilà, oh bah, il y a un petit choc. Je m'en fous aussi. Ça m'est égal. Ouais, ils ont fini. 24 points. No comment. Donc, nous voici. On va faire Primeme de la Wii. En 150, après le volcan grondant, on passe après Rimeme. Oh, sur MK8, c'est une de luxe. Oh, c'est une course qui est bien foutue, j'aime bien. Là, du coup, je vais me faire. Si ça joue pas trop sale, ça devrait peut-être une petite partie de plaisir. Je pense que voilà, je vais faire cette course là avec le Mii. Après, je vais rechanger de personnage et je vous ferai la surprise. Après. On s'inquiète pas. Il y a un petit champ devant, derrière. Une pièce, quoi. De toute façon, je lâche avec ma petite banane au cul, je vais être tranquille. Ah, c'est bon, je passe par-dessus. Voilà. Je m'en fous. Ah non, bah, c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu vas me proposer comme bon item? Encore une banane. Parce que maintenant, Mais des fois maintenant faut prévoir aussi pour ce jeu là, des fois faut prévoir l'intervention du bout, puisque des fois c'est plus dans des moments où tu attends pas ou quand t'as des items qu'il te faut. Et le bout qui intervient et qui met des fois dans la merde. Bah, je pense que je vais aller au 4600 VR et après bah, je vais stop la vidéo. De toute façon bah, je referai plein d'autres vidéos MK8 de luxe. Bien sûr, bah, sur ce j'y joue pour le fun tranquillement. En plus, j'ai des amis qui sont déjà loin, qui sont allés de 10 000, peut-être voire 20 000 VR. Et franchement, je leur dis un gros GG, puisque moi, j'ai joué... Parce que maintenant, je suis en train d'essayer chaud pour trouver... Parce que comme je suis sur... Mario Kart Wii. Ah, puis là, c'est fichier. Mario Kart Wii. Mario Kart Wii de la Wii U. MK8 Deluxe. Sans oublier Splatoon, Mario Football, aussi mes petits displays. Je joue... Alors, franchement, je suis sur plein de jeux. Mais vas-y, je vais essayer de trouver un... Je vais essayer de m'organiser. C'est, voilà, c'est juste une question d'organisation, tout simplement. Voilà, je suis à combien de VR là? Parce que j'ai pas regardé.
tu assimiles. En fait, je vais en faire encore une ou deux. Allez, j'ai les 4700 peut-être. Allez, parti. Circuit Mario GBA. Merci de votre random. Moi, je pense en plus, il y avait des sons givrés dans les votes. J'aurais été content, un petit descend givré. Mais voilà, c'est le jeu. C'est Nintendo. En plus, la map, je l'aime pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on respecte bien la map. De toute façon, elle est bien foutue, hein, mais. Voilà, moi j'aime pas, simplement. Et ça pousse bien. C'est quoi? C'est quoi le Donkey Kong? Ah, vas-y. Ah, c'est un Danois. C'est un Hollandais. Par contre, le Japonais, lui, ça dégage. J'aime bien comme il faut. Ah non, je l'ai pas touché. Ah putain, ça me fait à chaque fois ce truc-là, ce bug. L'item est pour moi. Le Hollandais. Oh, vas-y, la snipe à la bombe. Je prends l'item à côté, ça pourrait m'aider. Voilà, 3 champis, c'est très bien. Ah, soyez gentils là, calmez-vous. Bon, c'était un item, bref. Attendez, toi, me touche pas, s'il te plaît, me touche pas, 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 me touche pas. Ah, l'enculé. Du coup, je vais essayer de rattraper le premier. Je sais que c'est encore possible. Ah, j'ai une plante. Ah, oh, c'est rattrapable. Il est rattrapable. Il y a espoir. Oh non, le bloops, je vois rien. Ah, il y a une petite bleue. Et voilà, heureusement, j'ai le bloops. Voilà, petit japonais, t'es dans la merde. Voilà. La première place, elle est pour moi. Dépêche-toi, j'ai pas besoin de toi. Voilà. La petite pièce pour finir. Et la première place méritée. Que du bonheur. Oul, 46, 34. Ouais, je vais aller jusqu'au 4700. Après, je vais tout arrêter. Et on est parti pour la GCN Circuit Yoshi, la préférée de mon ami Didi, que je fais un gros coucou. Et on a l'arrivée de mon ami Tom qui nous a rejoint avec ses 11484 VR. Donc comme il est dans le jeu depuis plus longtemps que moi, et que voilà, et donc il s'est fait plus à mal que moi. Donc un petit coucou à toi aussi. Et bonne chance aussi, tiens, voilà. Comme ça tout est dit, et on est parti. Et je pense que c'est le Wario qui est devant, qui est derrière. C'est soit c'est lui ou soit c'est Zelda, je sais même plus, ou le Mi. Je vais découvrir ça. Ah bah oui, c'est bien. Et il joue bien Wario. Les frères connards, voilà. Un plaisir de jouer avec Tom, que ce soit même sur la Wii, avec les CT, surtout avec les CT, je m'éclate même s'il a très bon niveau. Voilà. Ah vas-y, putain de plante. Du coup, voilà, Tom est parti devant. S'il vous plaît, la rouge n'est pas pour moi. Ah non, c'est bon. Attends, vous... Saloperie qui me vole mon item. C'est génial. Et un petit champi, tout va bien. Ah, la petite rouge est pour moi. Ah non, c'est bon. Tout... Fausse alerte. Ah, je crois que j'ai perdu Tom, il est parti devant. Ah, j'ai un petit mouvement goal. Je vais faire chier ceux qui sont derrière moi, comme ça on va, ça va faire un petit peu de ménage. Cassez-vous de là. Allez, fais-moi le violet, s'il te plaît. Merci. Ah, j'ai vu cette technique-là, voilà, hop. Ça va. Là, je l'ai bien fait. Ça passe. Le japonais, réfléchis à deux fois avant de me dépasser. C'est un conseil d'ami, je te donne. Réfléchis à deux fois. Parce que sinon. Ça va chier pour toi. Ah non. J'ai pas champi pour cut. C'est dommage. Ah là, j'ai un autre champi pour cut. Oh putain. Oh non, il m'a écrasé, saloperie. Grandis, s'il te plaît. Merci. Salut Tom, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Ah le pauvre va se taper une bleue. Pauvre Tom, il a pas de chance. Je vais essayer de le laisser passer si possible. Ah non merde, il est dans le peloton. Oh étoile par terre. LOL. Je chope une étoile par terre, c'est une première fois dans ce jeu que je chope.
Ah désolé, je pourrais pas. J'aurais bien voulu le laisser passer, mais franchement, avec le coup de pas qui faisait bien chier, j'ai morflé un petit peu, bah je pouvais pas vraiment trop je pouvais pas trop en fait, désolé. Mais c'est... j'essaierai de me rattraper, tiens. Alors, du coup je suis devant lui. Allez. Allez, nouvelle course. Royaume Sorbet GameCube, grâce à votre random. Voilà. Donc du coup, voilà, j'étais... Ah bah oui, ah ouais la vache, le carte rétro. Allez, c'est parti. Bon, allez. Est-ce qu'il a vraiment tapé le masque-casse? Ah non, c'est pas tapé, ouf. Il y a notre Wario, Q, bien sûr c'est un petit jap. Réfléchissez à deux fois, parce que sinon, ça va faire mal. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, du coup, on reste concentré. Ce serait bien si on peut finir premier encore une fois. Oh merde, oh, c'est pas grave. Bon, la japonaise, hein, réfléchis à deux fois parce que sinon... Je conseille mieux à dire ça là. Allez, tourne. Ah, je veux pas faire ça. Tant pis. Du coup, je suis toujours premier. Allez, on maintient la première place toujours. J'ai une rouge sur moi en cas où s'il veut me dépasser, excepté Tom. Ah non, bah voilà, je ne l'ai plus. Alors, on va encore rester premier, si c'est possible. Oh merde, bon, tant pis. Ah voilà, je vais terminer avec un klaxon et je suis encore premier. Là, je crois que c'est un petit peu mon jour de chance. Voilà, ouais. Ouais, je vais aller jusqu'à 4700, après bah, je vais stopper la vidéo. Oh putain, le pauvre Tom a fini dernier. Allez, on va partir sur la route du dragon en 150. Ce sera peut-être la dernière course que je ferai pour cette vidéo. Bien sûr, il y aura d'autres mondes MK8, hein, de toute façon. Voilà, parce que de toute façon, en 150, ça va, c'est jouable, puisque en 200 CC, c'est absolument injouable. Ah, soyez gentil là, s'il vous plaît. Toi, le japonais, tu me casses de là. Voilà. Ah, j'ai un petit espagnol, Boras. Je négocie bien les virages. Oh, si, c'est aussi tranquille, c'est aussi confortable d'y jouer quand t'as avec ta Switch Controller Pro. Où est passé mon petit homme? Vas-y, bien sûr. Ah voilà, voilà, merci le bout. Du coup, ça m'a retiré ma protection et je me suis traballé, pris cette putain de rouge. Merci le bout. Et merci Nintendo. Alors, va cuter ici. Ah non, pas encore. Ah bah si, encore. Et ça fait mal. Oh, c'est quoi ça? C'est qui est devant? Je crois que c'est le français là.
le Sif, je sais plus quoi là. Toi le japonais, tu me saoules, tu vas vite dégager de là. Ah putain, c'était bouf. Là il remplit bien son rôle. On part à la Wii. Ah oui, c'est bien le français. C'était bel et bien le français. S'il te plaît, me fais pas de saloperie. S'il te plaît, me fais pas de saloperie, puisque sinon t'es mort. Ouais, je vais voler la première place en fait. Désolé frère. Allez. Oh non. Non, go, 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 go. Yes. Yes. Du coup, là, j'ai pu finir premier. Est-ce que je vais faire 4700 VR? Ah, ah oui, en fait, 4700 VR, 4000, 10 VR. C'est nickel. Voilà. C'est ce que je voulais. C'est nickel. Du coup, comme je vous ai dit, je vais donc arrêter cette vidéo. Comme, comme il y en aura plusieurs. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, sachez qu'il y aura encore d'autres vidéos MK8 Deluxe, des autres jeux de Wii U. Bah bien sûr, et bien sans oublier ma petite bataille mondiale de février que je vais essayer de faire venir le plus tôt possible. Bon, si vous voulez m'ajouter, je vous ai montré mon CA et je le mettrai aussi dans la description de la vidéo, je pense. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde!